Dernier match à domicile pour Auray face à Quimper ce dimanche. La première mi-temps est à l'image de la saison. Difficile. Les Alréens virent tout de même à la pause avec un 5-0 au compteur. Pourtant, en face, ce n'est que la lanterne rouge de la poule, Quimper, qui n'a pas gagné un seul match cette saison. Preuve s'il en fallait que le RAC a aussi été dans le dur cette année. La faute en partie à un effectif largement amputé par les blessures. Pour l'an prochain, il va donc falloir se renforcer sans pour autant tout chambouler. On espère, pour avoir un bon recrutement déjà, garder 90% de l'effectif. Et puis derrière, faire un bon recrutement qualitatif pour pouvoir nous permettre d'avoir un meilleur réservoir en cas d'absence d'un joueur clé, moteur de l'équipe première. Et ainsi, ne pas sentir ses absences lors des matchs capitaux. En seconde période, le RAC affiche un autre visage et enchaîne les essais, dont un du Fidjien Sunia. Celui-ci serait par ailleurs sur le point de s'engager avec le voisin Van. Plouvier, qui jouait là le dernier match de sa carrière, y va aussi de son essai. Outre ces deux départs annoncés, il va aussi falloir renforcer la deuxième ligne. On est toujours sur notre filière fidjienne, on cherche un deuxième ligne, voilà, parce qu'il nous manque un deuxième ligne, une poutre devant, donc on va tout faire pour trouver cette poutre. Et puis je pense que si on arrive à trouver ça, les jeunes à côté aujourd'hui, ils ont du temps de jeu. Depuis qu'on est sûr de se maintenir, j'ai donné beaucoup de temps de jeu aux jeunes et petit à petit je pense qu'ils vont trouver les ressources nécessaires pour pouvoir jouer et être titulaire dans cette équipe. Ces jeunes ont eu du temps de jeu à cause des blessures qui ont mis les cadres sur la touche. Mais cette infirmerie remplie n'a pas été le seul souci du club morbihanais. Le gros point noir, c'est ça, c'est de réussir à s'entraîner correctement au moins deux fois semaine. Voilà, quand on voit le haut de tableau, Lheureux, Rennes, Plouzané, ils s'entraînent au moins trois fois semaine. Ils sont 40 à 60 à l'entraînement. Nous, quand on est 20, 25 le mercredi, c'est le maximum donc, pour deux équipes. Hein, donc c'est compliqué de travailler. Quoi. Pour terminer cette deuxième saison d'affilée en Fédéral 3, le RAC se déplace à Saint-Sébastien dans trois semaines.